Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage. Coloriage, mais j'ai mis un petit peu de côté aujourd'hui Emmanuelle Colin. Je la laisse se reposer. Et j'ai sorti mon Maria Troll. Voilà. J'ai sorti mon livre Maria Troll, Luna. Je voulais changer un petit peu. Bon, il faut quand même que je change un petit peu de temps en temps. Et donc j'avais envie de faire un petit colo de ce livre. Donc je vais là j'ai fait une première partie, je referai une deuxième et il sera terminé. J'ai toujours aussi froid. Je viens de regarder sur mon téléphone, il fait 8 degrés. Wow. Et la semaine oui, la semaine dernière. Enfin, début de semaine ou la semaine dernière, on avait 23, 24. Oh ça change, hein? Donc, je disais, oui, j'ai voulu changer un peu pour dire de ne pas toujours faire la même chose. Donc, voilà, j'ai fait un petit Maria Troll. Et là, bon, c'est aussi des dessins un peu enfantins. Donc, très rigolo à faire, très sympa à faire. Très facile aussi, hein. Et donc là, bon, c'est sur le livre directement. Donc, les pages ne se détachent pas, hein, ce livre-là. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous remettrai la vidéo là, quelque part, hein, sur le petit point i. Mais c'est un papier super que l'on peut faire au crayon, que l'on peut faire à l'aquarelle. J'avais d'ailleurs fait déjà un dessin à l'aquarelle que je vous avais fait d'ailleurs en vidéo. Enfin, j'avais pas fait tout le dessin en aquarelle. J'avais fait le dessin au crayon et j'avais fait le fond en aquarelle. Pareil, je vous remettrai le lien si vous voulez le revoir. Donc c'est vraiment un livre d'une super qualité. Je vous remettrai en barre d'infos également le lien pour retrouver ce livre. Voilà, donc là je les ai faits avec mes Prismacolor. Donc là sur ce papier ça glisse, mais alors d'une façon comme un patin sur une patinoire. nickel. Les mélanges se font vraiment super bien. J'ai rien à dire. C'était vraiment très agréable à faire. Donc là, il me restera un petit peu à faire. Alors, je vais peut-être faire un fond. Je vais peut-être pas faire de fond après. Je sais pas. Je verrai. Mais si je fais un fond, ce sera quelque chose vraiment de très pastel, pour faire ressortir le dessin. Je verrai. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Et on a fait chauffer la carte bleue. Ah, obligatoirement. La voiture. Il fallait qu'on change les pneus de la voiture. Bon, ça va, on a été. Alors, comment j'arrive jamais à le dire dans le bon ordre. Carter Cash. Voilà, c'est Carter Cash. C'est ce qu'il y a de moins cher. Pour faire changer les pneus de voiture et pour trouver aussi des pièces auto, tout ça. Donc là, bon, j'ai pris premier prix. Hein. Nous, de toute façon, les pneus de voiture, les essuie-glaces, on essaie toujours de prendre des premiers prix. De toute façon, nous, on ne fait pas de route. Donc, ça ne nous sert à rien de mettre des pneus qui coûtent une fortune. Donc là, il fallait absolument qu'on change, mais alors les quatre pneus, même pas deux, hein. Là, les quatre, ils étaient usés jusqu'à l'os, ils étaient tout fendillés. Hier, je regardais avec Chouchou, on pensait qu'il y en avait deux qui étaient vraiment abîmés. Puis je regarde les deux autres et je fais, je dis Chouchou, il faut, non, regarde celui-là, il est mort aussi. Il est tout fendillé. J'ai dit, bon,
On va y aller hein, demain. Enfin, du coup, ce matin, on y est allé parce que, bon, un contrôle de police, ils voient nos quatre pneus morts, c'est bon, on a un procès, les points en moins, ou alors on risque de se planter dans un mur avec la voiture hein, si un pneu éclate ou quoi. Donc, voilà. Bon, encore une dépense pas prévue, hein, mais c'est pour notre sécurité. Donc, là, c'est une dépense qu'il fallait. Donc là, il nous reste à faire les freins. Alors, les freins, c'est pareil. Je dois changer les... Enfin, pas moi. C'est pas moi. On doit changer les disques, les plaquettes. Voilà. La totale. Devant, derrière. Et après, bon, on verra ça un petit peu plus tard, cet été. Il y aura encore la courroie distribution à faire. Il y a encore la vidange à faire. Oh, ça revient cher une voiture. Hein. Et après, un contrôle technique au mois de novembre. Mais au moins, elle sera nickel pour le contrôle technique. Tout il sera fait. Voilà, du coup, ce matin, donc on est allé là. En plus, Chouchou, lui, il aime bien partir de bonne heure. Hein. Quand c'est des trucs comme ça, on part pour être là à l'ouverture. Hein. Donc, on est arrivé les premiers. C'était pas encore ouvert. On arrivait à 8h30. Ça ouvrait à 9h. Il y avait déjà deux voitures qui attendaient, mais les gens attendaient dans leur voiture. J'ai dit, viens, on sort de la voiture, on attend à la porte du magasin. Parce que sinon, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, on est attendu à la porte du magasin. Et ce qui fait qu'on a été du coup les premiers. Parce que les autres sont restés dans leur voiture. Parce qu'il faisait froid. Hein. Et quand on est ressorti de là. On est rentré dans le magasin parce que, bon, du coup, après, on voulait acheter un cric parce qu'on n'a pas de cric dans la voiture. Je dis, on ne sait jamais si un jour on crève. Avec les pneus, les mauvais pneus qu'on avait, on n'avait même pas de cric. Donc, on est revenu dans le magasin, on a acheté un cric et il y avait un vendeur qui disait à un client que là, maintenant, il y avait 2 heures d'attente pour l'atelier. Chez Chouchou, ouais, ben on a bien fait d'arriver à 8h30. Hein. Comme ça, on est passé les premiers, on n'a pas eu d'attente et tranquille. Mais là, si vraiment, si vous ne connaissez pas et puis que vous avez des choses à faire sur votre voiture, ou acheter des pièces pour votre voiture, allez là parce que c'est vraiment pas cher, pas cher, pas cher. On m'avait même dit de moins de voir avec la Belgique parce que c'était moins cher en Belgique, mais non, la Belgique était même plus chère. Donc voilà. Bon, voilà, je blablate, hein, je raconte ma vie. Mais donc c'est ça qu'on a fait ce matin. Après on a été faire une course ou deux, on est rentré, puis voilà. Et j'ai fait un petit peu de coloriage. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait de la journée. C'est déjà pas mal, hein. Ah si, je suis allée à Jardiland parce que du coup comme c'était à côté, je vais en profiter pour pas user de l'essence et retourner dans la semaine. Donc j'ai acheté un sapin. Je voulais en acheter plusieurs, mais il y en avait plus les prix, les petits prix. Donc j'en ai acheté qu'un. C'est les sapins qu'on peut faire en forme de haie après. J'ai acheté un sapin et un genêt. Parce que je vais le mettre à côté du poulailler du voisin. Ça m'énerve. En plus, là, il a agrandi son poulailler. Ça y est, il a encore agrandi le poulailler. Donc là, Chouchou, tout à l'heure, il dit, bon, c'est bon, là, on va chercher les canisses en bambou. Donc là, mardi, on va aller chercher les canisses en bambou. Donc, je vais déjà acheter 10 mètres. Parce que bon, je peux pas. Et après, on va faire tout le tour du jardin. On va foutre du canis partout. Être tranquille. Mais là, je vais déjà mettre 10 mètres. Je ne veux plus voir son poulailler. Et en plus, là, il l'a agrandi. Mais alors, il a fait un boulot Ces poules, ils vont passer à travers mon jardin et tout. De la façon qu'il l'a fait, l'agrandissement. Donc, il faut que je protège ça vite, 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 vite. Parce que sinon, ces poules, moi, elles vont finir à la casserole. Voilà.
Ah là là. Non, hein, j'étais embêtée l'année dernière avec l'autre, avec ses chiens. Je vais pas être... Maintenant, il n'a plus de chien. Je ne vais pas t'embêter avec lui, avec ses poules. Hein. J'aime bien les animaux. J'embête personne. Il faut pas m'embêter. Je sais pas, moi je fais mon jardin. Donc du coup, je vais avoir mon sapin à planter, mon genêt. J'ai acheté aussi un sachet de graines. C'est des fleurs qui attirent les papillons. Bon. On verra bien. De toute façon, il n'y a plus de papillons. Il y en a de moins en moins. Et puis, il faut que je commence à faire le jardin. Mon fils m'a redonné des pieds de fraises. Donc, il faut que je les mette. Et je vais vous mettre là, juste après mon blabla. Juste après que j'aurai fini mon blabla. Mon fils a fait son petit coin de jardin aujourd'hui. Et je vais vous mettre la photo. Parce que lui, il s'est fait l'année dernière un épouvantail, mais on dirait un vrai bonhomme. Pour pas que, pareil, les oiseaux viennent manger ce qu'il a mis dans son petit parterre de jardin. Et là, cette année, donc j'étais voir tout à l'heure, il y a toujours son épouvantail, mais il l'a mis en scène. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous mets la photo juste après mon blabla. Pour que vous le voyez, mais alors j'adore, j'adore, j'adore. Il a le même humour que sa mère. Il a le même humour que sa mère, mon fils. L'adore. Allez, bon, j'arrête de blablater. Là, j'ai déjà dépassé les 10 minutes. Je vous fais à tous des gros bisous. Demain, c'est Pâques. Donc, quand la vidéo sera en ligne. Ce sera Pâques, donc je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coloriage et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'installation de l'épouvantail du jardin de mon fils. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous, bon visionnage.
Thank you.